Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Je suis sur le le gros faisceau jaune là, du truc de la centième vidéo. Oui, aujourd'hui nous allons faire un petit truc tout sympatoche. Nous allons faire la petite pharmacie qui est juste derrière. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Alors, le permis construire, j'ai hâte de savoir il date de quand. Par contre, je vais me retirer de là parce qu'en fait c'est chiant. Ah oui, je me demandais c'est quoi le halo que j'avais. Non, okay. J'ai peur. Donc du coup, hop là, taillou. Oh, je vais peut-être réorganiser, je ferai une vidéo aussi pour réorganiser ici, ça va vraiment bien. Donc, alors, soyons fous, soyons prêts, soyons fous. Ah ouais, le 15 septembre 2020. Ah ouais, oh, bientôt 3 ans que le projet de construction d'une pharmacie devait être fait. Ah ouais, ah là c'est violent. Ok, donc on va pouvoir commencer là. Donc du coup, on va un petit peu faire une espèce de grosse pharmacie, puis de faire un truc. Alors ça c'est un petit bureau tabac, mais je pense que je vais faire une grosse pharmacie, parce que je pense qu'on va faire pas mal de choses. Alors déjà, alors je vais arrêter, prendre ça, voilà. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme bloc? Par contre, là, ce sera très intéressant. Bon, les blocs là, ça sert à pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai en bloc intéressant? Bloc de laine. C'est ça le problème, c'est bien l'argile vert clair, mais c'est fait trop vert, ça fait trop dégueulasse. Vert cacadois. Ça c'est quoi ça? Du canne, le cana. Non, ça c'est trop vert foncé. J'ai regardé en chisel, je pense qu'il y a des trucs intéressants en chisel. En y croyant fort. Mais normalement, je crois qu'il y a des trucs intéressants en machin. Si moi, je voudrais du blanc et du vert. Donc, il faut vraiment chercher ça. Non, ça, c'est les anti-blocs. Bon, je sais qu'il y a tout du coup. Bon, ça, c'est la concrete. Concrete vert fluo. Ça va pas trop le faire. Non, faut vraiment que je prenne des trucs intéressants. Genre, par exemple, ça. Un bloc de quartz. Je peux prendre ça. Voilà. Avec quoi? Attends, je peux faire un faux plafond directement. Je peux faire ça, c'est quoi? C'est le bloc industriel. Ouais, je peux faire ça. C'est quoi? C'est le bloc de diamant. Je vois pas ce que ça pourrait être. Bloc industriel. Je vais prendre ça. Ce sera le plafond. Après, je pourrais prendre. On va déjà faire les gros œuvres déjà. Et si on a un peu de temps, on fera le truc. Par contre, ça, j'aime bien ça. Non, ça, c'est de l'industriel. En vert, qu'est-ce qu'il y a en vert? Il y a ça, par exemple, contre Trick Powder. Je vois pas. Ah, si, il y a des trucs intéressants là. C'est comme ça, on va prendre de la chiseler pareil si on peut, si c'est possible par contre. Et non, il n'y en a pas, donc on va utiliser celle-là. Et s'il n'y a pas, je vais prendre une autre parce que c'est vert fluo comme ça, c'est pas très original. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme bloc vert qui puisse repenser à la pharmacie? Non, il n'y a pas. Ah si, peut-être la prismarine. Ça peut être intéressant, prismarine. J'ai vu ça tout à l'heure, prismarine. Ouais, on peut faire ça. Peut-être mettre de la prismarine, ça fera moins pétant. Ouais, on va prendre le même système de... Voilà. C'est chiant. Là, donc là, du coup, l'entrée est ici. Donc là, on fait un truc. On fait un truc tout sympatoche. 1, 2, 3. On va faire un passage ici. Tac. Donc là, 1, 2, 3. Par contre, là, faut que je centre. Ce sera intéressant. Ah, j'ai pas centré. Ok, donc là, du coup, ça, je centre. Donc
là, ici. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On dirait 13. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olé. Voilà, donc là on va mettre le truc, les fondations de la base de la base. Voilà, comme ça c'est fait, on va pouvoir faire l'armature et on va pouvoir faire. C'est fait. Bon, je comprends pas qu'il y a... Voilà. Donc là, on va pouvoir faire donc là l'ouverture du magasin, ça sera là. Donc là, paf. Bon, on va déjà faire les murs, puis on fera après le truc. Hop là, c'est parti. Il y a 4 et 5e c'est vert. 4 blancs et 5 verts. 1, 2, 3, 4, 5. Là. Comme ça c'est fait, je vais mesurer les murs. 1, 2, 3, 4, 5. Taillot. Voilà. Toc. Allez, vas-y. Moi, j'ai fait une petite pause, une petite ellipse. Oh, même pas, j'ai fait un petit accéléré. Ce sera très intéressant. Allez, vas-y. A few moments later. Donc, du coup, je voulais faire ça, mais ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que justement, c'est dégueulasse, c'est moche. Bon, c'est pas si moche que ça du côté extérieur. Mais le problème, c'est qu'il faut penser qu'il y a aussi un mur aussi à faire en hauteur. Et le problème, c'est que je ne peux pas faire ça. À moins que je remonte le mur d'un cran. Et oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais remonter le mur d'un cran. Et je vais mettre ça à hauteur d'homme. Ouais, d'accord. Donc ça va dégager. Donc je vais faire comme ça. Donc là, il me faut la petite hache des familles. H là, toc, l'H qui fait tout. Là, là. Comme ça, on va pouvoir remettre le truc proprement. Là, ici, par contre, là, je vais faire ça. Là. Là, comme ça c'est fait, donc là après, on va remettre un bloc. Voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Comme ça on pourra mettre directement le plafond tout crado. Oh les tout crado. Moi j'aime bien, ça fait un style un plafond, un vieux plafond, comme si c'était un vieux bâtiment. C'est bien ça, j'aime bien, c'est j'aime bien ces blocs là. Ça fait un bloc pourrave, mais bon. Alors là du coup là, et je vais faire ça. Là, je
Comme ça. Déjà, faut que je sache c'est quoi. TL Technical 12. TL Technical 12. Chisel. Technical 12. Voilà. Comme ça s'est fait. Moi de l'autre côté, faut que je fasse. Merde, pas ça, je vais voilà, l'ouverture. Comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre des plafonniers. Plafonnier GP mode. Élévateur mode. Lumière à l'intérieur. Hop, 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 hop. Là, il me faudra le bloc parce que c'est vrai que mon mode est une passe-passe ou world edit. Ça, c'est chiant, ça. Oh, ben, on va trouver un petit truc tout sympatoche. Bloc de laboratoire, j'avais utilisé ça le dernier coup. On va tester ça. Tac. On va tester ça. Ah, du coup, ça c'est quoi? Est-ce que ça fait pro? Non. Et ça, est-ce que ça fait bien? Alors ça c'est bloc. Laboratory 6. Laboratory 6. Laboratory 6. Laboratory 6. La paf. Tac. 7. Kizel. Laboratory 6. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Donc là maintenant, on va mettre un sol le plus basique. Qu'est-ce que j'ai bien pour utiliser? Ça c'est quoi du marbre? Ta 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 tac. Projet raid, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir prendre en truc? Je suis en train de chercher, excusez-moi si je recherche. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir prendre en sol? J'ai peut-être des solutions, mais j'ai pas. Ouais. Oula. Ce qui se passe, mais il y a un gros rendement. Sais pas ce qui s'était passé, mais c'était violent. Lol. Ah oui, je peux mettre ça. Alors, par contre, c'est re dans Tuzel. Qu'est-ce que je peux mettre? Il y a du bois qui est ciselé. Par contre, je sais plus où. Il est là. On va mettre. Du bois comme ça que je vais mettre. C'était du bois comme ça. Voilà, et ça va aller là. Donc, Planks Oak 10. Planks Oak 10. Planks Oak 10. Là. Planks Oak 10. Là. Tac. 7. Chisel. Langue.
Ah, c'est pas planque, ça se dit comment? Ah, planque, j'ai oublié un S. Ok. 7. Gisèle. Planque. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à faire la suite du bâtiment plus tard. Donc là, du coup, là, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc du coup, ouais. Donc là, comme c'est le service public, on peut utiliser ça. On s'en fout, on ira après. Là, c'est pas le service public, mais bon. Voilà, donc ça c'est fait. Après, il me faut si refameux Gisèle. Il faut des briques. Machine en verre. Celui-là. Là, il me faut une porte en bois, en verre. Là, il faut celle-là. Là. Là, il faut une plaque de pression. Là. Plaque de pression là. Plaque de pression en bois pour le côté. Voilà. Donc là du coup, il me faut. Là, il me faut la porte là. Et la porte là. Voilà, comme ça c'est fait. Donc là, la petite photo de la pharmacie. Donc ça. Tac. Voilà. Vous savez ce que j'ai fait? Non, je préfère laisser comme ça. Voilà, donc on organisera un petit peu mieux ça. Donc là, du coup, ce que je peux faire, je peux faire des murs. Par contre, là, on peut utiliser mon mode. Ouais, il y a des nouveaux carrelages qui tout ça, donc ça, je vous montrerai ça plus tard. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Non. Non, je vois pas de truc qui pourrait être intéressant là-dedans. Ah ouais, ben. Un truc tout basique, hein, tout simple, hein, je vais pas me faire chier avec un tas de trucs. Non. Chisel, bon, pas le choix. Là, qu'est-ce qui peut être sobre hein, en passant partout et n'importe quoi? Un truc sobre. Ah, ça, le problème, c'est qu'un truc sobre chez Chisel, il y a pas mal de trucs. Alors, on peut en mettre les blocs comme j'ai vu là. Non. C'est crème, c'est gris, c'est pas trop fou. Par contre, ça c'est chiant ça. Voilà, comme ça, tac. Alors du coup, on va dire qu'il y a à peu près ici. Tac, hein, on va pouvoir faire ça.
comme ça. Ça c'est fait. Voilà, donc là paf, ok, on va faire ça. Donc là on prend, on vérifiera ça. On mettra, on va mettre les bons. On peut mettre ça comme ça, ouais. On peut mettre ça dans tel mode. Là. Là, donc là, ça peut dégager. Ça, c'est comme ça dans le bloc. Là, et on peut mettre de temps en temps un truc comme ça. Voilà. Par contre, barrière bloc. On va faire ça. Bah, vous savez quoi? On fera ça le prochain coup. Là, je fais un peu ça, j'aménage. Là, puis le prochain coup, on aménagera. Je pense que là, on a fait pas mal de choses. Là. Donc, du coup, on pourra mettre la pharmacie qui est quasiment construite. Donc, la pharmacie est construite. Il n'y aura plus qu'à comment? À faire l'intérieur. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Petite vidéo, toute sympatoche. On va pouvoir faire ça tranquillement le prochain coup. Voilà, donc enfin. Un petit truc qui s'est construit en plus là. Bon, ça va, c'est une grande pharmacie, mais par contre, elle est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est assez large pour mettre plein de trucs dedans. Donc, c'est ça qui est bien. On va faire peut-être une pharmacie qui fait aussi salle de soins. Ça peut être bien, ça, vous savez, pour les injections, tout ça, ça peut être bien. Ça peut être une très très bonne idée dessus. Donc, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir fait une petite vidéo sur la pharmacie. Donc enfin la pharmacie sortie de terre, on agrémentera au fil du temps les petites choses toutes sympatoches à l'intérieur. Et cette fois-ci on sortira un camp pour une vidéo et comme bien entendu, bah enfin la pharmacie, on va pouvoir se soigner tranquille. Ah c'est pas faux!